Alors, nous ne savions pas quand nous vous avions invité, c'est une info européenne, je l'ai dit, qui est tombée ce matin très tôt, Emmanuel Macron devrait annoncer la suppression de l'ENA et surtout la création d'une nouvelle école, tout cela dans le cadre d'une réforme de la formation de la haute fonction publique. Il doit le faire cet après-midi. Est-ce que vous êtes surprise Totalement, moi je trouve que l'ENA ne méritait pas ça et j'ai l'impression d'être dans un mauvais feuilleton. Voilà, un coup on oui. annonce sa suppression, un coup on la supprime plus, un coup on dit qu'elle est formidable et puis maintenant de nouveau on la supprime. En fait, je trouve que c'est incompréhensible. Émilie Lançon. Oui, pareil. En fait, on ne s'attendait pas en travaillant sur l'ENA que ce soit aussi palpitant, parce qu'on a l'impression d'être dans un film d'action. On supprime, on supprime pas. En fait, il se passe plein de choses pendant cette année. Euh, au printemps 2019, Emmanuel Macron annonce qu'il supprime l'ENA. Puis finalement, bon, on sent qu'il y a quand même un revirement. Le patron de l'école, Patrick Gérard, qui se bat pour sauver son école, qui propose plein de réformes parce qu'ils sont conscients des problèmes. Ces problèmes, vous les avez cités entre-soi, endogamie sociale, conformisme école tremplin pour faire carrière en politique ou dans le privé, c'est tout ça que depuis 50 ans on réforme à... qu'on reproche à Lena. Mmh. c'est en partie vrai mais en partie. Donc Emmanuel Macron, qui lui-même a fait l'ENA, qui est le produit de ça, qui en plus est quelqu'un qui, qui n'est pas resté longtemps dans la haute administration, puisqu'il est... est parti pantoufler ouais. chez Rothschild. Je le précise, il a promu promo Sangor en 2004, à Emmanuel Macron. Euh, oui, sorti 2004, ça doit voilà. être... Ouais. Oui, puisque c'est 2002, il était au moment du ouais. 21 avril. Et donc lui, il sait aussi que tout ça, cette, cette image un peu de d'énarque de, de, euh, qui est assez négative, pour plein de raisons, et c'est ce qu'on tente d'expliquer dans le film Du col à la peau, en pleine crise des Guinée jaune jaunes, il annonce qu'il veut supprimer l'ENA. Euh, et puis finalement, il fait machine arrière. Et là, nouveau rebondissement si alors, Moi, pas, on moi je trouve que c'est extrêmement démagogique. C'est-à-dire, euh, dès qu'il y a quelque chose qu'on reproche à l'État, hop, l'État tape sur l'ENA. Un peu pour ce défaut, c'est euh, la crise des gilets jaunes, c'est un exemple typique. Les gilets jaunes n'ont jamais demandé la suppression de l'ENA. Ça n'a jamais été dans leur programme. Et pourtant, on leur a donné euh, cet os à ronger. Peut-être, on a l'impression qu'on a voulu les calmer. Oh. Aujourd'hui, c'est la crise vaccinale. Ça fonctionne pas bien. On tape sur l'État et l'État se défausse sur l'ENA. Pourtant, euh, c'est bien l'État qui est responsable de la mise en place euh, de la vaccination en France. C'est pas les énarques. Détail technique, votre documentaire passe après-demain sur Public Sénat, euh, à 21h, c'est bien ça oui. Est-ce que vous avez le temps de changer la fin oui, on oui tout à fait. On va intégrer euh, ce qui va être dit cet après-midi, bien sûr. D'accord. Euh, L'ENA est très critiquée, on l'a dit, mais également attractive. Et vous révélez, je ne savais pas, qu'aujourd'hui, l'ENA n'a jamais autant reçu de demandes de candidature qu'au cours de ces dix dernières années. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai pour euh, le concours externe, c'est-à-dire les étudiants qui présentent l'ENA. Le, le directeur de l'ENA nous a expliqué qu'effectivement, il y avait un regain. Euh, en faveur de l'ENA. On pense, avec le directeur de l'ENA, on en a pas mal discuté, c'est aussi les, les, les conséquences des enjeux de la crise sanitaire, les conséquences des enjeux environnementaux. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de faire bouger les choses et qui se disent on va faire bouger les choses de l'intérieur. En fait, ce sont des gens qui ont le sens du collectif et en ce sens, ils sont assez proches de la génération qui était à l'ENA euh, au tout début, en 1945.